Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tuto pour réaliser une carte spinner. Pour ta base de carte, il te faudra un papier craft de 29,5 par 14,5 cm. Choisis ensuite le papier déco de ton choix et coupe-le à 14 cm de côté. Avec ma machine à embosser de chez Action, je viens découper mon dies sur un papier uni assorti à mon papier déco. Une fois cette étape terminée, viens plier ta base de carte en deux et viens superposer ton papier déco dessus sans le coller. Dispose un dies de la même forme mais un peu plus grand que celui découpé précédemment sur ton papier déco et ton papier craft. Pour donner de la profondeur à ta carte, viens coller ta découpe la plus petite en arrière-plan. Il est maintenant temps de créer le mécanisme de ta carte spinner. Pour cela, tu auras besoin d'une ficelle de couture. Pour tenir la ficelle, j'ai utilisé du washi tape, mais tu peux très bien utiliser du scotch. Attention à bien tendre ta ficelle pour que le système fonctionne correctement. Une fois le mécanisme en place, tu peux venir couper l'excédent de ficelle. Tu peux maintenant venir coller ton papier déco sur ta base de carte. La dernière étape maintenant, c'est de choisir et d'installer le décor central. Donc pour moi, ce sera des papillons, mais tu peux y mettre ce que tu veux. Avec ton doigt, fais tourner la ficelle plusieurs fois. Cette étape est très importante, car c'est ce qui va permettre à ton décor de tourner. Comme il s'agit d'une carte que j'offrirai à l'occasion d'un anniversaire, j'y ajoute un tamponnage Happy Birthday sur une chute de papier que je redécoupe de façon à l'adapter à ma carte. À l'aide d'une perforatrice, je viens arrondir les angles et coller le sentiment sur ma carte. Et voilà pour le tuto de la carte spinner. Je vous laisse visualiser le rendu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que son contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.